Bonjour à tous, c'est Nicolas Chtiek, Wulang en vol d'écume sous le joueur humain sur Guild Wars 2 Age of Dragons. Tout compte fait, j'ai décidé de passer par le portail à dos de vol d'écume pour arriver à la province de Setung. Donc on a vu la dernière fois que, en fait, Oh, d'accord, ok. J'ai bien fait de commencer avant d'arriver à Setung, je le sentais. Qu'est-ce que je fais ici? On va avancer. Commandant, pourquoi n'avez-vous pas fait le nécessaire? C'est vous? Il faut trouver un moyen d'y mettre un terme. Avant. Vous devez tenir encore un peu. Nous cherchons une solution. Il n'y a pas de solution. Oh. Vous ne nous vaincrez pas. Commandant, attention! Nous avons entendu votre appel, commandant. Suwon, je t'en prie, tu dois te battre! Il n'y a plus rien à combattre. Si le vide a atteint les bottins de son esprit... Alors, c'est fini. Non! Je vais te faire gagner du temps, champion. Il va falloir le mettre à profit. C'est vrai? Nous devons la tuer. Oui, mais pas avec tout ça en elle. Ça déchaînerait le vide sur le monde. Et le monde n'y survivrait pas. Pars, champion! Va voir June. Elle est notre seul espoir. Je reste avec elle. Nous tiendrons aussi longtemps que possible. Vraiment? Laissez poser des questions, pas! Le cycle s'achève. Ok, ça s'annonce pas bon. Oren. Bon, ça suffit. Je ne peux plus me permettre de gaspiller mon temps avec les doutes des sceptiques et les querelles inutiles. Il faut que je voie June. Ah, donc on résilie, hein. Franchement, puis la raison, Wulang. Oui, donc, Suwon a succombé au côté obscur, on va dire ça comme ça. On va les devoir tuer quand même. Apparemment, d'après Oren, on pourra pas la sauver. Mais il faudra bien la tuer, mais bon. D'un côté, il y a le cycle des dragons. Si la fin du cycle des dragons est là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je cherche le petit point violet ici. Violet, vert. Et donc, on avait vu précédemment que... Donc, on avait montré la preuve pour nous innocenter de l'attaque du recteur. Mais il s'est avéré que le ministre Lee était en réalité corrompu. Et c'était un puriste. Donc... là-bas. Hop, est-ce qu'on peut... Par là. Donc, voilà, et donc, comme dit Wulang, il faut, et Oren, il faut absolument aller voir... June, et puis accélérer les choses, parce que... Si Suwon rejoint complètement le vide, ça va pas être bon pour la Thierry. Qu'on soit Tyrien, Elonien ou Kantien. Donc, prochaine instance, le poids du monde, allons-y. Et on est au repère de June. Parlez aux vos amis. Ah, Casimir. Vous voilà enfin. Oh, commandant, que s'est-il passé? Suwon. Elle est... perdue. Perdue? Le vide l'a envahie. Totalement. Le monde entier connaîtra bientôt le même sort. Non. Nous allons arrêter ça. Nous n'avons pas le choix. Bien. Taimi nous attend. Elle a organisé une rencontre avec June. Ce qui est pour le moins... étonnant. Autant que je sache, June pense toujours que tout est de votre faute. Oui, c'est vrai. June pense que c'est notre faute encore. Taimi, on est là. Ah, parfait. Je vais vous ouvrir.
Ils sont vachement grands, ces mecs. En plus, ils sont désactivés quand on arrive. Donc, on est à la résidence de June. Ouais, franchement, elle est bien, elle se met bien, la June. Ça paye bien, le jardin. Bienvenue à tous dans la résidence de Madame June. On est dans le pétrin, non? Oui. Il faut qu'on commence à travailler sur le réacteur sans attendre un instant de plus. Où est June? Oh, à l'intérieur. C'est par là. Ok, bah entrons et on voit Taimi avec sa... Pourquoi n'y a-t-il pas de porte? C'est un artifice. June aime frimer. Avec sa nouvelle armure. Tout fonctionne avec la technologie de Jade ici. Il suffit de couper cette batterie, commandant. Oui, regardez comment elle est. On l'avait vu déjà, mais en hologramme. Là, on la voit vraiment en couleur. Elle est vraiment très sympa, j'aime bien. Donc, bah... Interagir. Eh bien, c'était pour le moins, t'as pas l'œil. C'est là que se trouve le labo? Oui, même si ceux de Xunlai sont mieux équipés. June dit qu'elle travaille mieux ici. Je ne vais pas critiquer ses méthodes. Après tout, elle a trouvé un tas d'applications à la magie draconique. C'était quand même bizarre, vu qu'elle vous déteste, commandant. D'ailleurs, c'est incroyable d'avoir réussi à la convaincre de vous rencontrer. Réussi à la convaincre? Taimi. Commandant, comment êtes-vous entré? Comment avez-vous franchi ma sécurité? Grâce à Taimi. Ah, June! Je venais justement vous voir et, comme vous voyez, j'amène... Par les dieux, que j'ai été sotte de vous faire confiance. Quant à vous, ambassadrice Mead, je me suis portée garante de vous. Madame June, j'ignorais que je n'étais pas invitée. Si je l'avais su, arrêtez. Je n'aurais jamais... Je ne vous laisserai pas me prendre encore pour une idiote. Écoutez-moi, le monde se désagrège. Le vide de Suwon va le détruire. Dans ce cas, je trouverai comment la contenir. Toute seule. Disparaissez, ou c'est moi qui vous ferai disparaître. Cela vaut aussi pour vous, Taimi. Bon sang, June. Écoutez deux secondes au lieu de vous satisfaire du son de votre voix. Vous avez besoin de nous. Bon, baston contre les mecs de Jade. Raté. Ah, je suis estropié. Eh, je suis en marche. Ah, j'étais en marche encore. Ah, ça va beaucoup mieux, je vais beaucoup plus vite. Taimi, je croyais que l'idée était d'expliquer le plan à June. J'ai essayé, mais elle a déjà sa propre opinion. Et quand je lui parle de vous ou du réacteur, elle refuse d'écouter. Que peut-on faire alors? Si elle veut bien nous écouter, on pourra sûrement la convaincre. Il faut juste trouver un moyen d'accéder à son atelier. Je pourrais ouvrir un portail? Non, à moins d'avoir envie de se téléporter directement dans une cellule. Cet endroit est truffé de protections anti-magie. Ah, la bonne blague. C'est aussi assez facile à manipuler. June a fait disparaître ses marches rien qu'en détournant le courant des batteries. Donc, si on les alimentait à nouveau... Exactement. Et il y a des batteries partout. Ah, et cet endroit est connecté au réseau des drones de Jade. On peut les envoyer n'importe où depuis ici. Il faut juste que je vous donne l'autorisation. Bah, c'est bon, on a l'autorisation. Donc ça, c'est quoi? Déploiement de drones. Interagir. Pour tout dire, je n'ai même pas visité toute la maison. June m'avait promis un tour du propriétaire. Mais on se laissait absorber tous les jours par le travail. Avant qu'on s'en rende compte, la journée était déjà finie. Je me réjouis que le séjour ait été si agréable. Désolée, commandant. Je sais que j'ai échoué. Mais j'ai tant appris. Et June est vraiment brillante. Un peu narcissique, c'est vrai. Mais elle a de bonnes intentions. Elle peut nous aider. Et on peut lui rendre l'appareil. Je sais qu'on arrivera à la convaincre. Ouais, on va dire qu'on va y arriver. On va réussir, je suppose aussi. Alors, lire la note. Ah, donc c'est de trouver toutes les livres lisibles au manoir de June, d'accord. Des documents ont été oubliés là, il s'agit apparemment de rapports sur l'enquête au réacteur Wong. June a dû les consulter en dînant. Lire le premier rapport. Ok, oh, ça fait beaucoup de trucs à lire.
Nous sommes rarement du même avis, mais je crois qu'il est dans l'intérêt de notre nation que nous continuions à partager les résultats de nos enquêtes respectives. Malgré la grande insistance de votre nouvel assistant, nous n'avons trouvé aucune trace d'Anka au réacteur. J'ai peine à croire qu'une étrangère soit parvenue à détourner votre technologie pour en faire une arme par des moyens que vous n'aviez pas vous-même envisagé. Je dois bien l'admettre, personne ne connaît le jade aussi bien que vous. Nous sommes parvenus à mettre la main sur un enregistrement dans lequel un pirate, Ivan, indique très clairement que vous avez toujours été leur cible. Ce même pirate a été aperçu en compagnie d'autres suspects. L'explication la plus probable reste que leur champion dragon a usé de la magie du dragon. Vos pions vous ont trahi. Voilà à quelle conclusion nous mènent les faits. Ces étrangers sont indignes de votre confiance. Ne les laissez pas vous berner une seconde fois. Donc c'était l'ex-ministre Lee. Lire le deuxième rapport. Madame June. Notre enquête indépendante n'a pas refuté les découvertes du ministère de la Sécurité. Je vous présente à nouveau mes excuses. J'aurais dû arrêter les étrangers plus tôt, mais à ce moment-là, leurs arguments m'avaient paru convaincants. Je consacre toute mon attention à nos efforts d'endiguement dans la mer de Jade, ce qui m'a amené à former des alliances avec les étrangers. Je vous recommande la plus grande prudence, ils m'ont déjà trompé par le passé. Ah oui, c'est vrai, lui, on l'a berné par les belles paroles. Donc, parlons à Taimi. Je ne vois aucun moyen d'ouvrir cette porte. L'interrupteur est peut-être de l'autre côté. Bon, est-ce que je peux récupérer ça? Ah, ok, on peut récupérer ça. Est-ce que j'ai le droit aux montures? Est-ce que j'ai le droit au Delta Plane? Est-ce qu'on peut faire ça? Vous commencez à bien maîtriser le drone de Jade. D'autres mecs de sécurité, éliminons-les. Allez. Je sais pas si c'était faux. Ouais, je pense que cette porte est branchée sur un circuit fermé. Impossible de détourner le courant. Mais le noyau d'énergie est juste là. Il va falloir grimper. Alors. Et démolir ça en bonne et due forme. Alors, on a un levier. Le levier, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, d'accord. Ok. Donc, si je baisse le levier, ça baisse ça. Et donc, je suppose que j'ai le drone. Est-ce qu'il peut faire le... Ouais, interagir. Cool. Hop, on désactive le drone. On prend... Ah, on pète le noyau sécurisé. Et ok, c'est bon. Ah, ça c'est quoi ça? Comment faire pour m'en débarrasser? Alors là, est-ce que je peux récupérer? Ouais, je peux récupérer. Je peux récupérer la charge de batterie. On peut aller par là. Ouvrir ça. Je peux dire que m'introduire par effraction chez June me plaise beaucoup. Moi non plus, mais elle ne nous a pas vraiment laissé le choix. Certes, mais si on veut vraiment gagner sa confiance, ce n'est sans doute pas la meilleure chose à faire. Sans compter que, si le plan ne fonctionne pas, nous finirons très certainement expulsés du pays. Ouais, et ça sera la fin de l'extension. Si on continue d'exister assez longtemps pour qu'on se fasse expulser, ça me va. Alors, un levier. D'accord. Ok. Un autre levier. Alors. J'essaye de comprendre le truc, hein. Donc là, je vais... Attention, commandant. Le levier. On a encore déclenché un dispositif de sécurité. Ouais, si tu pouvais aider Casimir à attaquer, ça serait bien. Mais qu'y a-t-il dans cette maison? Ok, il fallait juste activer le levier. D'accord. C'est une magnifique collection que Madame June a là. Elle est très décorée. Et elle tient à ce que tous ceux qui entrent chez elle le sachent. Vous savez, commandant,
J'ai passé du temps avec elle à la cour. Et je crois que je comprends. Les nobles ne ratent aucune occasion pour lui rappeler ses origines. Oh, il y a des trucs à interagir. Alors elle n'en rate aucune pour leur rappeler ses accomplissements. Alors, lire la plaque. Ces parchemins anciens sont des artefacts sauvés des Nornes, une race de géants de la chaîne des Simfrad. Le texte est intraduisible et, aujourd'hui encore, leur culture reste mystérieuse pour l'essentiel. Eh bien, ils ont mal vieilli. D'accord, ok. Les Nornes, ils ont mal vieilli. Lire la plaque. C'est un des vases créés par Yu Dairae. Durant la majeure partie de sa vie, elle n'a eu accès qu'à des matériaux simples. Mais le succès de Xunlai a permis à Jun de lui offrir beaucoup de nouveaux outils d'artisanat. D'accord, ok. Un instant ! Oh ! On est encore en vie ! Apparemment, c'est la seule chose dans cette maison qui n'a pas été conçue pour nous tuer. D'accord. Lire la plaque. Les différentes cultures de Thierry ont des styles vestimentaires très éloignés. Quant à étant resté fermé, on ne peut qu'imaginer à quoi des modes vestimentaires plus récentes ressembleraient. Ces tenues sont plutôt modernes. Mei a dû les récupérer. C'est vrai que là on voit plus le côté Vabi ici, là en. Voilà, Istan et tout ça, quoi. Je veux dire vraiment le côté élonien. Alors là, il n'y a rien. Là, c'est quoi ça? Une monstruosité de l'océan infini. Depuis que Sowoon est devenue la gardienne de Kanta, de nombreuses horreurs ont été repérées dans ses profondeurs. Ce spécimen-ci a été capturé à l'extérieur du réacteur Yun. Il est terrifiant. Ok, là il y a. On dirait qu'il y a une sorte d'hologramme, mais je pense que c'est juste pour faire l'effet de flotte derrière. Donc on va parler à Casimir. Est-ce que votre drone de Jade pourrait nous aider? Bah oui. Ah si, j'appuie sur cette fois. Bah ça fait rien. Ok, on va prendre le drone. Ah non, c'est moi qui vais me placer là. Et c'est le drone que je vais mettre. Interagir. On a la batterie. Et on va la mettre ici. Ok, là on est bon. Alors, je réinteragis. Elle est trop éloignée. Et là je voudrais voir si on peut. Ah, mais il faut une charge de jade. Oui, mais je voudrais. Ok. Hop. Je veux ouvrir ça. Coucou. Ah. Ok, là on n'a pas de batterie. Il nous faut 3 charges apparemment. Bon, on va reprendre cette charge là. Okay, on reprend la charge. Ça va fermer la porte. Voilà. Ici, on va remettre cette charge ici. Et... C'est on une arrive. Salle d'exposition? Je me demande si ces modèles fonctionnent. On dirait qu'on a la réponse à notre question. Ah bah voilà, ça fonctionne. Alors je crois que j'ai déjà perdu le succès, c'est ces lasers là qui parlaient le succès. Ouais, il y a peut-être une autre option, hein. Peut-être que je suis de la merde, peut-être. On peut les taper, mais je suis sûr qu'il y a peut-être autre chose. Alors, si avec le drone. Parce que là, j'ai vu le truc de batterie. Non, il faut quand même les. Bon, apparemment, il faut quand même les taper. À moins il y a le moniteur. Non, il n'y a rien pour interagir. On est bien d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est équiper le sceptre et on va taper de loin. Et on est bon, on va taper celui-là, il a plus de vie. Ah,
Obstacle, c'est quoi? Tester tout l'équipement de démonstration de June à mort. Ok. On a récupéré une batterie. Ok. On a récupéré deux batteries. Ok. On va pouvoir ouvrir ici. Hop, on a ouvert ça. Alors, ici il y a une batterie. Alors, est-ce que je peux... Alors, il faut maintenant trouver le système pour récupérer les trois batteries. Alors, si je récupère là... Ça ferme la porte, mais on est bon. Donc là, j'en ai deux. Là... Non, j'en ai une. Là, j'en aurai deux. Donc on est bon. On va rééquiper l'épée. Et là... Ici, j'en ai une troisième, mais normalement, je peux sortir... Non, je peux pas sortir par là. Donc je remets celle-là. Ok, c'est celle-là que j'avais oublié de récupérer. Donc ça c'est bon. Là on peut récupérer celle-là. Ça ferme la porte ici. Là on en a trois. On va ouvrir cette porte. Vous croyez que je ne vous vois pas? Et que je n'ai pas de système de sécurité de secours? Manipulation a dû détecter. Elle a bloqué l'accès aux batteries et activé des lasers qui n'ont pas l'air très amicaux. Voyons, Cass, tous les lasers sont nos amis. Il suffit de les pointer dans la bonne direction et ils font tout ce qu'on veut. Comme par exemple, viser des boucliers. Bah, c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai dû recommencer parce que j'ai eu une déconnexion. Ma Lifebox qui a rebooté. Hop. Et le dernier, normalement on en a trois. Hein. Tu veux pas... Ah si, j'allais dire. La bonne nouvelle, c'est qu'on approche du but. Vraiment? La maison ne ferait pas tant d'efforts pour nous tuer sinon. Finissons-en avant qu'elle ne réussisse. Ambassadrice Smith. Oui, inspecteur. On vous demande à la cour. La nouvelle de l'arrestation du ministre a commencé à se répandre. Ils veulent que vous répondiez à quelques questions sur le rôle du commandant dans cette affaire. J'ai affaire ici. Ça ira, Cass. On peut s'occuper de June. Bon, je vais y aller dans ce cas. Juste un conseil diplomatique. Écoutez et essayez de comprendre. Ok, on a les trois charges, mais en fait on nous dit d'aller... d'aller là-bas. En fait, ouais, c'est ça. Mais... Je vais laisser les deux ici. Pourquoi faudra activer celui-là en fait? Ah, ok. Ah ouais, mais là je peux en avoir deux en fait. Alors, si je reprends mes deux. Hop, je joue toujours avec mes trois. Donc on a l'escalier. Donc ici j'en mets deux. Ça ouvre les portes et là on est dans la chambre. On a un enfant? Oui, une fille, Sang. Beaucoup de gens ont des enfants, ça n'a rien d'extraordinaire. Bien sûr, c'est plus facile si on ne passe pas sa vie à parcourir le monde pour se battre contre des dragons. C'est un message caché. Son instinct maternel ne saute pas aux yeux. Elle peut manquer de bienveillance, mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise mère. C'est plutôt son mari, Cho, qui s'occupe de tout ça. Il est sympa. D'accord, est-ce que Taimi nous a envoyé un message caché? Alors, oh ouais. Alors, je vous laisse lire, vous mettrez sur pause, moi c'est ce que je ferai durant le montage. Je mettrai sur pause et je lirai, on va pas perdre plus de temps que ça, parce que si je commence à tout lire, on a pour des heures. Alors, on va interagir avec ça. Accès non autorisé détecté.
Ok, donc là, ici, on a le... Le truc, est-ce que je peux interagir? Ou alors, comment je peux faire? Ah, il a détruit mon... Ah bah oui, à travers les murs, ça marche bien aussi. Alors pourquoi il y aurait ça? Pourquoi il y aurait... ici, il y a un autre truc aussi. Parfois, les humains deviennent des dragons. Comment? Dragon, il me faut des écailles, des ailes, des griffes, des écailles de lézard, plus des ailes d'oiseau, plus des griffes de raptor, plus sung égale dragon. Ok. Alors on va récupérer le truc de magie. Ah non, ok. Le truc là-bas, il va servir à... Ok. Ça va me faire tilt ce que j'ai. Voilà. Ok, on est bon. Est-ce que là, je peux mettre... Ah ouais, mais il a touché déjà. Ah, c'est cool. En fait, sans faire exprès. Non, j'y étais presque. Alors, un levier ici. Un autre levier ici. Ok, alors est-ce que... Ah, ah je sais. Alors, on va faire ça. On va placer Wulang ici. On va rappeler le drone. Le drone, il va interagir. Ok. Nous, on peut faire ça, on peut détruire le noyau. Ok, on peut récupérer ça. Ça devrait suffire. On fait interagir. Ah oui, bah on a détruit son alimentation. Est-ce que si je la remets, ça la ramume? Bon, tant pis, je pense que j'ai dû... J'espère que c'était pas un succès. Bon, sinon, bah tant pis. Ok, le drone. Hop, le levier. Interagir. Ok, on récupère ça. Alors, on peut récupérer... On a combien, là? Un seul. Hop, je récupère celui-là. Je crois que j'ai oublié de récupérer... Non, là, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, faut que je récupère celui-là. Hop, et je peux remettre les trois dessus. Hop, allez, hop. Ah, j'ai bougé, il a pas compté. Hop, et le dernier. On va pouvoir y aller. Donc, ici... Ah, espace insuffisant, puissance insuffisante. Ah. Je veux pas... Ah. En fait, il m'en manquerait un quatrième. Donc d'où qu'il est ce quatrième? Ah, mais là, il y en a trois aussi à ouvrir. Ah, vite. Je voulais pas vous faire peur. Je suis... Le Tyrien, je sais. J'imagine que vous cherchez ma femme. En effet, je dois absolument lui parler. Ce n'est pas moi qui ai saboté son réacteur. Je vous crois. Taimi a été très convaincante. À mes yeux, en tout cas. Mais June, elle n'aime pas avoir tort. Et ce qu'elle aime encore moins, c'est être humiliée. Vous avez porté un coup à sa réputation à la cour. Que vous l'ayez voulu ou non. Je réglerai ça. Je vais tout arranger. C'est très ambitieux.
Vous avez cela en commun, elle et vous. Vous endossez toutes ses responsabilités. Quitte à ployer sous le poids. On a rencontré la famille à... J'aime bien les verrouillages. Quand il y a un verrouillage, j'ai droit à des nouilles. Et le père, qu'est-ce qu'il dit ? On dirait que vous avez besoin d'un bain. J'aime bien les verrouillages. D'accord. Quand il y a un verrouillage, j'ai droit à des nouilles. Plus de gingembre, Miyuchi, expédier le brouillon de livret, s'assurer que Jun mange, trouver un nouvel instructeur de danse pour Sun, rendre son livre à Lao, envoyer des invitations au dîner. D'accord. Ma maman ne vous aime pas beaucoup. Ouais, ça je sais, petite. On dirait que vous avez besoin d'un bain. Ouais, s'il te plaît. Tu parles autrement aux grandes personnes. Allez, je vous enferme. Hop, interagir. Alors, où est-ce que j'ai mis la quatrième ? Où est-ce que j'ai mis ma quatrième batterie ? Ah bah elle était juste là en fait, c'était cette porte là. J'ai ma quatrième batterie, on va pouvoir tout reprendre. Donc hein, en gros faut avoir moi la maîtrise numéro 2 du drone de jet pour faire ce truc. Parce que sinon ça va pas aller. Ok. On a nos 4, on va les remettre. Et voilà, le quatrième. Ah, ça a marché ! Enfin, pas pour moi. Les marches viennent de disparaître. Pas d'inquiétude. J'arrive dès que je règle le problème. Ça ne prendra que quelques minutes. D'accord, je t'attends, Tammy. Entrer dans l'atelier de Jun. Alors ça, ça ressemble à une guivre. Alors si c'est une guivre prise dans la jade, c'est beau. Si c'est une culture, c'est encore plus beau. Le ministre Lee du ministère de la Sécurité a été arrêté. On ne connaît pas encore tous les détails. Le puissant Tyrien se faisant appeler le commandant serait impliqué. Allons bon, commandant. Vous arrêtez des fonctionnaires de l'État, maintenant ? Il était corrompu. Il était corrompu. Escalader la plateforme. Lee nous a attaqué. C'est un puriste. Je sais. Les choses n'auraient pas été plus claires s'il s'était promené avec un buste de Reiko en personne. Que s'est-il passé ? Nous lui avons apporté la preuve de notre innocence. Il préférait continuer à nous considérer comme des suspects. Avez-vous cette preuve sur vous ? Oui, c'est une pièce de l'extracteur d'Anka. Elle reste à distance. Hein. Ouais, et Reiko, c'était la chef du ministère de la pureté. Dans Guild Wars, enfin pas Guild Wars Faction, mais après la guerre en Crit et tout ça, ils avaient rajouté, Arenette avait rajouté des petits pans d'histoire gratuitement, justement après l'histoire de Eyes of the North, et donc c'était le ministère de la pureté et le truc s'appelait les Vents du Changement. Allez, déposons la preuve. Oh, c'est presque instant, hein. Des excuses. Vous n'aviez vraiment rien à voir dans tout ça. Merci, mais l'heure n'est pas aux excuses. Nous devons discuter des solutions. Par contre, possibles. Tu me tournes toujours le dos. Possible ? J'ai une solution, moi. Taimi et moi avons cherché comment recapturer Suwon pour restaurer la puissance du réacteur. Jun, je crains que sa recapture ne soit pas envisageable. Et moi ?
Je crains qu'il soit inenvisageable de ne pas la recapturer, commandant. Le vide a corrompu presque entièrement la magie de Suwon. Je m'efforce d'améliorer l'efficacité de mon système de filtration. Il est presque... Il est trop tard. Vous n'y arriverez pas. Vous n'en savez rien. Elle est obstinée, hein. Nos batteries tiendront encore quelques semaines. Et t'as bugué aussi. Peut-être quelques mois. Mais après, tout s'arrêtera. Savez-vous ce que ça implique ? Je ne vous laisserai pas la remettre dans ce réacteur. Essayez de trouver un compromis, là. Dans ce cas, je crois que nous sommes dans l'impasse. Bah oui, voilà. Je ne tiens pas à faire ça. Mais nous avons besoin de ce réacteur. Des gens mourront si les batteries nous lâchent. Tout le monde mourra quand Suwon s'ouvrira au vide. J'empêcherai que cela arrive. Alors, survivre à l'assaut, c'est ce qu'on va faire. Détruire les mecs pour surcharger le système. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Prise de contrôle en cours. Il va quand même falloir actionner quelques interrupteurs manuellement pour moi. Ok. On profite du bug de la plateforme. Enfin, du bug. Ah, il y a encore ça qui est là. Hop là, bonjour. Interrompu. Ok, c'est bon. Hop. Hop. Et le levier. Commandant, j'ai exposé un des noyaux d'énergie. Vous savez ce qu'il reste à faire. Oui. À taper dedans. Ça, je sais faire. De multiples systèmes redondants. Il sera impossible de tout faire activer. Simple, hein, on va tout protéger. Il faudrait qu'ils viennent. Ok, c'est bon. C'est pris le rayon de la tourelle. Ah, il y a encore un là-bas, j'ai même pas fait gaffe. Je pensais que je l'avais tué, on va voir s'il y a un autre. Hop. Vous arriverez à monter là-haut ? Aucun de vous ne comprend réellement. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que j'ai accompli. Ah, ok. J'ai capté le truc. On peut faire ça. On peut faire ça. Et. Après, il faudra envoyer le drone. Si je suis mieux là, ça ne touche pas. Effacement de la
Bah alors, okay, bon, envoyons le drone. Tapez le levier. Oui, mais c'est ce que je viens de faire. Ok, on est bon. Hop, le levier. Le bras de mec. Aïe, oh ça fait mal celui-là. Ok, on est bon. Ah, y'a le truc qui me stun là, de loin. Ok, là. Aussi, là. Ok, je peux renvoyer le drone. Alors, le levier. Il est là-bas. Alors. Oui, oui, bah laisse-moi taper les... le geôlier de Jade de Luxe. Ok, hop. Hop, hop, le drone. Pif, t'interagis. Je reprends le contrôle de Wulang et je tape le noyau sécurisé. Et ici on a les derniers noyaux. Je crois qu'on a réussi à être là. Mais on a réussi à être là. Ah, le dernier là-bas. Alors, il faudrait... ah, déjà toi, tu me jettes tes esquives. Un humain ne se laisse jamais abattre. On se débarrasse de toi. Alors, assez de toi, alors ça. Ok. Ah oui, normalement il vise aussi le... Il vise aussi le... Tu peux me viser ? Ok, il vise bien. Je peux faire ça, on peut faire ça. On peut faire ça, et on peut faire ça. Toute la sécurité est hors service, June. Il va falloir nous parler. Non. Ah, wow! Tout était sous contrôle. J'ai sauvé Suwon. Je l'ai protégée d'elle-même. Je voulais tous vous sauver. June, ce que vous avez accompli avec Suwon n'a fait que repousser l'inéluctable. Je donnais une chance à la civilisation. Quelqu'un doit prendre les choses en main et montrer la voie. Je ne vais pas m'excuser d'avoir des capacités exceptionnelles ou d'être aussi brillante.
Vous êtes brillante. Et vous pensez que le monde entier vous a toujours sous-estimée. Mais pas moi. Nous avons le même objectif. Nous pouvons bâtir un monde meilleur, sans Suwon. Laissez-moi vous aider. Chacun de notre côté, nous n'avons aucune chance. D'accord. Je suis prête à discuter. Ah, Taimi qui a réussi à négocier la discussion. Oui, je pense que nous le reconstruirons facilement avec ce que le commandant nous a rapporté. Nous l'utiliserons pour drainer assez de magie du vide afin que le commandant puisse sans risque s'occuper de Suwon. Nous n'aurons pas beaucoup de temps pour le tester, voire pas de temps du tout. Nous en fabriquerons plusieurs dans ce cas, pour pallier les éventuelles défaillances. Quid des solutions d'endiguement ? Il y a Oren pour ça. Et si elle se fait tuer ? Il nous faut une solution de secours, Taimi. Il faut toujours en avoir, pour éviter un échec total. À moins, bien sûr, que nos adversaires soient particulièrement tenaces. Commandant, on va y arriver. Nous serons sur la corde raide, mais ça marchera. Bien. Dans ce cas, je vous retrouve à la mer de Jade. Vous pouvez y compter, commandant. Et ben voilà, on a notre plan. On va construire des appareils de... Alors, j'ai la mémoire très courte. Voilà, pour drainer de la magie du vide, justement, pour essayer d'au moins d'affaiblir Suwon, si j'ai bien compris. Ah, oh, on a gagné la mini de June, d'accord. Et on gagne... Ah, je gagne le ciseau. Ok. C'est fini. Alors, un point de maîtrise, ça je prends, de l'XP, ça je prends. Donc, on va sortir là. Donc, notre plan, ça allait nous diriger vers... C'est nous diriger vers la mer de Jade. Déjà, on va quitter la résidence. Je suppose qu'il va y avoir un petit dialogue vu le truc. Commandant, voilà. Vous êtes prêt à entendre une bonne nouvelle ? Vous avez été innocenté. Yay ! Vous pouvez enfin désactiver ce fichu masque. Et me le donner. Inutile d'en parler au ministère des renseignements. L'inspecteur Rama a témoigné en votre faveur. Puis June elle-même a appelé pour annoncer qu'elle renonçait aux poursuites. Certaines personnes n'étaient pas d'accord au tribunal. Mais maintenant que le ministre Lee a été arrêté à cause de ses liens avec les puristes, c'est tout de suite beaucoup moins tendance de se méfier des étrangers. Les représentants de toutes les grandes factions se rendent à la mer de Jade pour participer à la lutte contre le vide. Alors, quel est notre plan ? Notre plan ? Oui, le commandant va là où il y a de l'action. Et moi je vous suis. Il va falloir que nous installions les extracteurs. Rama, c'est un bro. Retrouvez-moi à Pierre Arborea. Il nous faut un plan d'attaque. Eh ben, c'est ce qu'on fera la prochaine fois. Ah, je vais pas me téléporter directement à Pierre Arborea. En tout cas, on a accès à la résistance. Ah non, c'est bon. J'ai rien dit. On a accès, j'allais dire, accès à la résidence de June. Bah, en tout cas, direction Pierre Arborea pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Tout plein de liens dans la description. Des bisous et à bientôt.